Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter encore une fois quelque chose qui est en rapport avec le Lego. Aujourd'hui on va ouvrir tout simplement ce colis, enfin plutôt cette lettre envoyée par Stick & Bricks qui est un site internet qui fait de multiples choses dans le monde du stickers. Je vous en dirai plus après avoir déballé ce qui est à l'intérieur. Une fois ouvert la magnifique lettre bulle et avec un contenu très bien emballé, on a une carte Stick & Bricks avec la plaque type UCS qui est à l'intérieur d'un petit sachet pour avoir une protection optimale. On va ouvrir le petit sachet et on va vider tout cela. Voilà, on se retrouve avec une plaque de type UCS sur la fusée Saturn V avec une carte de visite tout simplement de Stick & Bricks avec tout plein de renseignements. Carte de visite type UCS, c'est vraiment stylé, et avec tous les réseaux dessus. Bien évidemment, tout est dans la description. Cette plaque type UCS est une plaque Lego officielle, 8 tenons par 16 tenons, avec un stickers imprimé avec une machine professionnelle, comme il m'a dit. Alors tout simplement, on peut voir que c'est en français. Donc c'est des plaquettes qui n'existent pas, donc c'est lui qui les design. Et qui va écrire tout ce qu'il faut dessus. C'est vraiment plein de choses intéressantes. Là, sur ce cas-là, c'est en français. On peut voir le fabricant, l'origine, la fonction, la dimension, les étapes, les services, les sites, le site, le lancement et le coût du projet. Donc voilà, on peut aussi voir qu'on a une fusée de hauteur 110,6 mètres et de diamètre 10,1 mètres. Donc ça fait à peu près 10 cm. Et qu'il a une masse de... Donc on peut voir qu'il a une hauteur de à peu près 110,6 mètres, un diamètre de 10,1 mètres et une masse de 2970 tonnes. Juste ça. La plaque est bien évidemment colorée, donc c'est-à-dire qu'on va avoir la planète Terre en bleu avec la fusée par-dessus et en couleur jaune et blanche, j'aurais envie de vous dire, marquée NASA Apollo, ce qui fait vraiment stylé. Donc voilà. L'origine de Stick & Bricks est tout simplement la personne qui gère cette boutique en ligne qui, lors d'une visite d'une exposition Lego, s'est dit pourquoi il n'y a pas de fiche présentation sur les créations qui dirait la hauteur, le nombre de pièces, etc. Pour éviter de demander à chaque exposant et participant de l'exposition tous les détails des créations, en rentrant chez lui, il s'est dit pourquoi je vais pas me faire des petites plaques type UCS. Donc il en a fait. Après en avoir fait, il les a postés sur Facebook et plus en plus de monde lui ont demandé et les personnes lui ont aussi demandé de faire des cadres de fond pour mettre des mini figurines et des stickers personnalisés. Donc actuellement sur sa boutique qui a été ouverte en début d'année, enfin sur son site en ligne plutôt qui a été ouvert en début d'année, vous pouvez trouver des stickers spécialisés à votre choix, des fonds de cadres, des cadres entiers, des plaques type UCS. Donc il a vraiment beaucoup de plaques type UCS sur de nombreux sets et c'est vraiment super agréable d'avoir énormément de choix. Les tarifs sont tout simples, pour cette plaque UCS il faut à peu près compter 10€ sur son site internet, frais de port inclus. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à aller cliquer sur les liens dans la description, ça lui ferait énormément plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de lui faire découvrir sa boutique en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à lâcher votre avis en commentaire sur cette plaque de type UCS. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !